Yo, c'est Nazo. On se retrouve pour la suite des vidéos de la vidéo spéciale pour les non chicken. On se retrouve pour la suite de Ether Road. On va dire entre guillemets la suite de la vidéo soi-disant spéciale pour les 100 abonnés et les 10 000 vues. Donc, comme j'ai dit, on va affronter Zanark Domain avec une musique ultra épique. J'adore. Pour moi, c'est le thème de Super Zanark. Ultra Zanark dans la version avec Je suis tout, le tout puissant. C'est la traduction de Great Max Naoré, tout simplement. Il y en a qui se plaignent. Great Max Naoré, c'est je suis le tout puissant. Il y en a qui se plaignent de Godwind. Il y en a qui se plaignent de plein de techniques. Non, ben, c'est bien traduit. Bon. Ogre Blade, Extendo Zone. Toi, t'es cheaté, toi! Enfin, de toute façon, t'as pas beaucoup de TP. Zana, quand tu sais la show au hasard. Merde. Il a chaud au hasard. Ok, d'accord. Clipant. Allez, on y va. Chance le critique. Oh mon Dieu. Oh t'as trop de chance toi. Ah oh, sur ma vie t'as trop de chance. Par contre tu n'as pas tant de chance petit. Atalantessa One. Ah oh, j'adore cette technique. Et maintenant tu utilises un Kenshin. Espèce de pourri. Kyoshin Gigantes. Ah non, c'est Kyojin. Ah bah oui. Eborishan. Hey, critique de Virgo! Merde! Oh, je viens de rater mon occasion! Oh, je le fail, j'ai fait Love Arrow! Ah, je me dis avoir un rang S contre eux. Oh là 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 là. Là, c'est un gros Kazanrai. La faute à mon gros doigt. Et c'est le but! C'est bon, là on est lancé. Quand même 18 minutes pour mettre un but, c'est...
c'est long. Shindokasen. Maintenant, je sais c'est quoi le vrai nom de la technique, je suis content. Mais non, mais l'équipe, elle est juste trop pétée, je l'adore. Oh, par contre, Garnett, tu déconnes, là. Dans l'axe, en profondeur, pour Virgo, qui ne va pas se foirer cette fois. Nice gardien. Hors jeu. Oh dommage, j'ai pas de block shot. Ah dommage. Là j'aurais renvoyé dans les cages de l'adversaire. Ah, je vais peut-être t'apprendre Tsuhiyu Seidan. Frappe du tigre! Oh là là. Allez, Kato. Oula. Bon, mon équipe est profondément hors jeu. Bien joué petit, tu vas m'empêcher d'avoir un rang S. Espèce de petite enflure. Ok, il va falloir que je mette la vitesse supérieure là. Ah là, on balance toutes ses forces dans la bataille maintenant. J'imagine Evas. What? Non, mais là, tu déconnes, là. Là, normalement, c'était déjà un but.
Bon, l'équipe fait n'importe quoi. Virgo, prends les choses en main, s'il te plaît. Et de deux. Allez, j'ai encore 27 minutes in-game, bien sûr, pour leur mettre 3 autres buts. Bah, je veux un petit rang S parce que je sais ce qu'il y a dans le coffre. Je sais ce qu'il y a dans le coffre. Mais d'abord, il y a encore Perfect Cascade. Mais bon. Tu peux encore faire un Stargazer. Pour regarder le Kenshin. Akagi Mega Hawk. Oh, sur ma vie, toi, je vais exploser ton Kenshin. Sur ma vie, je vais te l'exploser. C'est mort, je te l'explose. Il n'y a aucune raison que je perde. Purée! Voilà, je peux même plus faire. Ouais, c'est mort pour le rang S. Quoique. Quoique, va falloir que je joue, mais d'une manière hyper précise. On en sait quoi? Masala, on t'enlève. On met H. On met Karen. Voilà. Pour la fin de la partie, je mets toutes mes forces dans la bataille. Faudrait que j'arrive à récupérer le ballon assez rapidement, que je fasse des... On va essayer. Je pense que ça devrait le faire. Si H est très rapide. Purée, purée, purée. Voilà, normalement il y a même pas faute. Il n'y a même pas faute, mais bon.
Comme là, j'ai vraiment pas envie de perdre du temps. Vas-y, petit bonhomme. Ah, il est vivant, le gars. Vas-y, petit bonhomme. What? Non, 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 non. Oh les tricheurs! Oh, il était même pas censé l'arrêter. Il n'avait même pas assez. Oh là là, quelle arnaque! Eh, je m'en fous. Si j'ai pas ma moto, je refais le match. Et si je veux, je le fais en rang S. Voilà. Voilà. Non, voilà. Oh, les connards, ils m'ont donné la moto. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Pardon d'être grossier, c'est pas mon genre. Mais non, mais non, mais non. Mais non, il me la donne maintenant, mais non. Bon, de toute façon, la technique que dans le coffre, je l'ai déjà, donc je peux l'avoir. C'est-à-dire que je peux recruter Zanark, que je n'ai pas pris. Lui, je peux l'avoir. Je peux avoir Dana, je peux avoir Zanark, Miximax, Soso. Ok. On va prendre les trois, hein. Bapamoussou, je crois, ou je sais plus. Dana. Elle est trop jolie, Dana. Surtout en Miximax, j'adore. Zanark. Donc bah voilà, on va se laisser sur cette petite note. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, que ça vous aura plu. En plus j'ai un Kenshin, Disaster Break, Dimension Cut et c'est un attaquant. Ok. Enfin voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Patati patata. Non, j'ai pas. Bah, j'espère que voilà le match vous aura plu. Là, parce que en même temps, je suis en train de regarder les techniques apprises des joueurs que j'ai recrutés, parce que j'en ai plein maintenant. Donc, ben voilà, j'espère que ce petit match vous aura plu. Que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement. Ouh, quel est ce tir? Ah oui, Thousand Arrow, ok. Maintenant, j'essaie de trouver de bons joueurs pour des futures équipes. Donc voilà. Voili-voilou quoi. Donc ben. On arrive bientôt à Perfect Cascade. Puis, on va se faire, on va dire, le dernier tournoi, si je puis dire. C'est-à-dire être la meilleure équipe du futur. Vu que la prochaine route qu'on va se faire, c'est la route de Ragnar. C'est le tournoi Ragnarok qu'on se fera. On se fera le tournoi Ragnarok. Et ça va envoyer du pâté. Et là, franchement. Franchement, les matchs. Ils vont être coriaces. Ils vont être badass. Alors lui. J'avais mon coup de gueule parce que ce mec ne veut toujours pas apprendre ma technique. Wandaba, il a des stats mais tellement merdiques.
Il est au niveau 51. C'est un attaquant. Il a 27 en frappe. Soit. Mais c'est le joueur qui a la stat de liberté la plus haute du jeu. Donc contrairement aux autres qui vont pouvoir l'augmenter de, on va dire, 250, de 300, genre de choses. Lui, il peut l'augmenter de 400 points. C'est juste énorme. Alors en même temps, je regarde... Non, t'as toujours pas appris Wenel. T'apprends Olympus Harmony. Oh mon dieu, mais vivement que tu apprennes Fatal Lift, gars. Vivement que tu apprennes Fatal Lift. Alors sinon, ben... Ouais, non, en fait... au niveau des autres joueurs... ça roule en gorille. Moteki 1, Moteki 2. Kyoraka. Oh, elle apprend Setsu. Elle apprend Setsuyaku. Ah non, j'ai dû lui enlever une technique en fait. Taiga West. J'aime cette gardienne. Kirika. Tout le monde doute de ton potentiel, mais t'es juste énorme. Tu es juste énorme, girl. Tu es juste énorme. Tu es juste la, t'es la meilleure. Fumi, Senna, Ban, Hiro, Shirakaba. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Là, j'ai fait mon petit tour d'horizon. Donc, ben voilà. Je vous dis à la prochaine. On affrontera Perfect Cascade. Puis, on se lancera à l'assaut du tournoi Ragnarok pour devenir une des meilleures équipes du futur. Parce qu'aussi en même temps, ça me permettra de dropper pas mal de bons objets en fait pour recruter des joueurs. En fait, c'est surtout pour ça. Sinon, attendez, faudrait que je regarde rapidement. Laisse-moi juste regarder quelques secondes. Tyson Root. Alors. Mais laisse-moi regarder. Crime Hound. Smooth Oil. Diffuse Code. Block H. Ok. Crime 1 des niveaux 68. D'accord. Ok. Alors, on fait Perfect Cascade. Après, je fais l'équipe que j'ai affrontée pour la requête Shinsei Nazuma Japan. Et on va voir le résultat, ce que ça donne. Et ensuite, on fera l'assaut de Ragnarok. Allez, portez-vous bien. Salut !